Et je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui s'en parlent. Moi je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous. Allez, c'est parti! Ferrataria, comment fais-tu les mains? Tu veux un menu popcorn? Là, j'ai trois menus S. Hein? Jouez bien. Menu S? Un menu S. C'est tout? Menu M? C'est tout? Menu S. S, quelle boisson? Vous m'avez demandé deux, il y en a. Moi, j'en prends. Ok, c'est parti. Imagine les gens qui m'ont ajouté au Mexique. Ils se disent, oh putain, mais ce petit, franchement, il voyage et tout ça. Et d'un coup, ils me voient au quartier, ils savaient pas que j'étais un mec des cités. Ils m'aiment. Et les blancs là qui n'ont pas les petits bouquets de quartier, ils se sont rendus compte que c'était un vieux rat foutu de cité. C'est enculé. C'est l'enculé. Chaque fois, il t'a fait plaisir ce cinéma ou pas? Ouais, ça m'a fait cher plaisir, Ronan. Dis Wallah. Wallah. T'as vu, les gens ne savent pas en gros que tu t'es endormi pendant tout le film. Ouais, je sais. Tu tires des scènes et tout, et faisait un ah ouais, ça c'était pète sa merde. C'est bon? Vas-y, on fait snap. Ouais, Shakuba, bien, c'était bien le film. Ouais, super bien, voilà. T'as vu ou pas, au bout d'un moment, quand il a fait un salto arrière, et il s'est ouvert le crâne, et après, il y a un petit ourson, il est venu le soigner. Ouais, j'ai vu, ouais. Et c'était violent en ce moment. C'est violent. Mais dommage que le petit ourson, il lui manquait un bras, parce que quand il allait à la piscine, il est tombé dans l'eau. Ouais, c'était violent, c'est super violent. Mais voilà. C'est quoi que tu préférais entre la coccinelle qui s'est transformée en tulipe, et après, il l'a récoltée pour faire de l'huile d'olive? Ouais, c'était violent, hein, c'était violent. Violent, ouais, ouais. Ouais, pour les frérots du quartier, ce soir, il y a activité Airbnb. Ça veut dire, on va louer Airbnb, tout le monde pose 10 euros et tournoi FIFA. On va faire des 2 contre 2. Et le duo qui a gagné, eh ben, en gros, il récupère sa somme. En gros, c'est pour faire un petit truc convivial, pour qu'on se retrouve tous ensemble. Donc, tous ceux du quartier, ceux qui sont chauds, venez au quartier avant 20h, vous posez les 10 euros, on prend l'Airbnb et on se casse. Et tous ceux qui font des techniques, j'ai pas vu, moi, ils viennent le soir, c'est où l'adresse? On ne vous répondra pas, bande de jeunes de merde. Ok. Ok, je fais un petit snap pour vous dire que je viens complètement de prendre 3000 euros en un seul mois. Wesh frérot, viens ici sur mon compte réel. J'arrive sur le portefeuille et je mets historique sur les 30 derniers jours. Oh, qu'est-ce qui se passe? Plus de 1810 euros, mon frère! Oh, oh, il est tombé mon téléphone. Réparation d'écran, moins 300. Bref, je vais pas vous parler pendant 150 000 ans, je vais pas raconter ma vie, tout le monde s'en bat les couilles, les gens veulent juste voir est-ce que tu gagnes de l'argent. Oui, comment, moi aussi je veux faire, ok, fais ça, regardez. En un mois, les 30 derniers jours, 2810 dollars. Et je l'ai fait devant Gilan. Tous les jours je lui disais, Gilan, fais du trading avec moi. Gilan, aujourd'hui j'ai pris 300 dollars. Je suis debout du zen. Aujourd'hui, à la fin du mois, je suis encore à découvert. Et j'ai pris 2810 dollars. Là je vais vous donner toutes les infos. Faites, parce qu'après le mois suivant, quand je vais vous dire je suis à plus 9000, vous allez me dire oh, oh, oh. Je vais pas vous sucer la bite pour faire de l'argent, glisser vers le haut. Inscrivez-vous les frères, c'est rapide. Tous les jours, faut vous bouffer les couilles pour vous dire qu'on fait du bail, merde hein. 3000 dollars en un seul mois. Hé hey, oh, réveille-toi fils de chien, je vais pas te sucer la bite. Hé, hey, s'il te plaît, inscris-toi sur le site. Gros, on fait du bail, on fait de la main. Hey, vas-y, raboule le fric. Aujourd'hui, je calculais pas mon tel. Je regarde au bout d'un mois, j'ai fait 3000 euros. Oh my goodness, motherfucking hero. Moi, personnellement, ce mois-ci, j'ai pris 3000 euros et je calculais même pas. Et je calcule toujours pas et je m'en bats les couilles. Vous, vous voulez le rejoindre pour faire de l'argent? Vous voulez tout savoir? Comment s'inscrire? Comment faire de l'argent? Ils ont fait un groupe Telegram. Avec des vidéos, ils expliquent tout. Glissez vers le haut, rejoignez-les. Moi là, j'ai fait 3000 euros ce mois-ci, je calcule même pas, ni rien du tout, je m'en bats les couilles. Alors des personnes comme vous qui ont vraiment envie de bien faire, je pense que vous pouvez tout piner dans votre hayat. Qui me vendait de la weed à 10, c'est lui. Ah, c'est lui qui me vendait de la weed à 10 balles. Ah, c'est lui le grand du quartier. Ah, c'est lui qui me vendait de la weed à 10 euros, il me disait, oh, frérot, c'est de la frappe d'Amsterdam, celle-là, mon frère. Je vais pas filmer ta tête, juste tu me réponds.
Ça, ça te fait quel effet de maintenant que j'ai grandi et tu sais que tu m'as mis chair d'épine sur la weed et tout? Mais je t'ai jamais mis de pite, frérot. Ok, toi, tu le sais. Parce que moi, je ne suis pas le marché. Moi, je suis, un, gros, indé- je suis un indépendant, la, mec. La weed à 12 balles et tout, normal. Elle est complètement à 15 à l'heure d'aujourd'hui. Attends, s'il vous plaît, écoutez. Ah, chic, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Attends, laisse-moi parler. Oh, Julien, attends. Voilà, laissez-moi parler. Maintenant, je suis grand, je peux dire les choses. Oh, Julien, il y avait un cli, il voulait un kilo. Et je me suis dit, oh là là, je vais prendre un BNF Max, là, je suis bien. Voilà, je vais lui demander. Je lui dis, attends. Okay, on peut reprendre l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes attentifs? Vas-y. Ok, pas un euro chez moi. Ma mère, elle fait plus les courses pendant 3 mois. C'est la galère, sa grand-mère. Il y a personne qui m'aide. Je suis au bout du zèbre. Je me dis, wallah, c'est ça la vie. Ça pue sa grand-mère. Vas-y, je vais vendre de la cocaïne. Je m'en bats les couilles. J'étais en train de craquer. Je me rassais les cheveux. Il y a un cli. Il vient. Il me dit, oh, je veux un kilo. Je me dis, oh là là, je vais prendre ma frappe. Faites sa mère et tout ça. Ouais, les frères, ouais, ouais. Et du coup, après, je dis, je vais vendre des sucettes à son chien sucré. Elle me pète leur grand-mère. Puis un cli vient, me fait, hey, gros, salut, cherche un kill. Tu arrives pas ça? Il me s'est dit, oh voilà, je vais prendre ma frappe, je refais sa grand-mère, je vais voir tous les grands du quartier. Ok, ah, frérot, voilà, smahli, j'ai pas et tout, là, c'est pénurie, mon frère, il y a de la kick. Il me s'est dit, tueur, ça va. Il me s'est dit, quoi? Je vais voir lui, je veux pas filmer sa tête. Il est là le motif. Je vais le voir. Voilà, ça m'a dit, il a de la frappe et tout, pète sa mère, il a du méchant dans ta mien, ça vient de la source et tout. Voilà, je vais le voir, je lui dis quoi? Ouais, frérot, tout, là, j'ai un client kill et tout, je vais prendre ma frappe, je suis refait. Voilà, j'imaginais ma mère, on avait plein de courses. Ah, j'imaginais. Ah, voilà, chez moi, il n'y avait jamais de viande. Je me suis dit, ah, je vais faire la course sur la boucherie. Eh ben, tiens, en fait, maman, tu veux quoi, 500 grammes d'escalope? Allez, une plaquette de shit. Ah, venez. Regardez, c'est avec ça qu'il m'allumait, ce bâtard. Attendez, je finis mon histoire. Ah, je vous ai montré le produit, regardez, c'était ça. Tout noir, du pétrole, ça pue sa grand-mère la pute. Ça pue sa grand-mère la pute, c'est nul à chier. Ah, le cli, il fume, il me dit, oh, fils de pute, tu m'as baisé, je vais niquer ta mère. Voilà, je vais finir mon histoire. Quand j'allais voir les grands du quartier, tu sais, j'étais un gamin, il me faisait les shit, t'as vu, en gros, à 280 euros la plaquette. Et avant, c'était le prix et tout ça, t'as vu, 280 euros. Tu dis, ouais, ça va, il est cool avec moi. Je vais voir lui. Oh, ouais, je vais voir lui. Un cli, un kilo. Je me suis dit, je vais prendre ma frappe, t'as vu, je suis bien et tout. Wallah, je vais le voir, devine, il me dit combien. Normalement, c'est 2800 euros le kilo avant à l'époque. Ouais. Devine, il me dit combien. Combien? Wallah, il me dit 400 euros la plaquette, 4000 euros le kilo. Wallah, il me dit 400 euros. Mais je lui dis, ah, mais frérot. Je veux bien une plaquette. Mais frérot, là, c'est un kill. Oh, frérot, je m'en bats les couilles, moi, là, moi, je débite, là, wallah, ça va tout de ma mère. Wallah, là, moi, je suis 5000 euros sur la plaquette. C'est des olives, frérot, que je vends, moi, c'est la patate, voilà, ça vient de Ketama, voilà, ça pète sa grand-mère. Je vire la boule. Moi, je me suis dit, ah, Chem, on a grandi ensemble, il a fait des trucs avec mon grand-père, il va m'arranger et tout ça. Je reviens 5 minutes après, je lui dis, oh, frérot, voilà, personne n'a au quartier et tout. Ouais, frérot, Chem, voilà, en ce moment, il y a que de la merde, voilà, c'est 4000 euros et c'est brut. Du coup, j'ai dit à mon cli, je sais pas. En gros, ouais, j'avais imaginé de la viande, mon frigo plein et tout, ma mère. Mais tu m'as mis quand même des plaquettes à 400 euros, frérot, je sais pas. Tu m'as déjà pris tes plaquettes pour de vrai? Bah, non, mais parce que 400 euros. Voilà. Si j'aurais pu t'arranger, tu sais au fond de toi que je t'arrange. C'est loufoque, c'est drôle. Voilà, c'est très drôle. Si j'avais pu t'arranger, je t'aurais arrangé. Bah ouais. Pourquoi tu m'as pas arrangé? Bah, j'avais cher que... pas un euro et tout. Mais voilà, frère, j'aurais vraiment su ta situation. Voilà, que je t'aurais mis, mais je t'aurais donné, gars. Voilà, et que je m'en bats les couilles. Voilà. Tu m'aurais donné? Ouais. Mais tu m'as dit 400, ça. J'avais pas mangé dans mon frigo. Ah, frère, tu m'aurais dit, j'ai pas mangé. Tiens, mange, mon frère. Ah, j'allais pas te faire de la peine. Business, mon frère. Oh, business, c'est business. T'as pas de masque, on va faire les courses, on essaie de trouver une solution. Tiens, mets ça. Tiens, mets, faut voir. Wallah, ça peut passer ça, hein. Tu passes comme ça, tu fais Zama, t'as mal à la tête, tu fais comme ça. Vas-y, fais comme ça, style, tu te tiens. Vas-y. Ah, je fais Zama, t'es mettre une tarte avant, comme ça, tu fais Zama, t'as mal et tu le tiens en fait. C'est bon ou pas? Vas-y, aïe. Comme ça, Zama, je tiens comme ça. Et avec mon épaule aussi. Voilà. Voilà, ils vont pas, regardez. Voilà, ils ont laissé passer. On dirait qu'il a un masque. Attends, il y a la SS. Ah, le mec, il nous. Ouais, voilà, il nous regarde. C'est bon. Ah, il y a la SS. Ah. Mets-le. Vas-y, mets ton masque, wesh. C'est bon, il le met. Vas-y, mets le fil. Pourquoi il arrive? Pourquoi il court? La mec s'est cassée.
être technico aussi. C'est un enjailleur professionnel. Voilà, c'est un enjailleur. C'est, il rentre dans vos cerveaux, il peut créer une armée. C'est BFM Fares, il peut créer une chaîne de TV. Ouais, mais attends, ok, d'accord. Mais Smarly, pourquoi t'as un string, frérot? Mais non. C'est avec le string ficelle. Pardon, je t'aide, Voilà, il a fait les lacets à son oreille. Tiens, attends, je vais faire. Ah, tu fais quoi comme technique? T'as vu comme je filme? En gros, ça. Mais t'as vu comme je filme? Il veut pas qu'on voit s'il a de la merde dans les oreilles. Arrête, voilà, là, il rentre dans vos têtes. Oh la preuve. Gilane, regardez quand je filme. Voilà, Gilane. Regardez, il dit que je suis un manipulateur. Regardez, il fait tout pour pas qu'on voit l'intérieur de son oreille. Regarde, il va chaber la base. Il s'enfuit, il sait.